Vous êtes prêts? On part à découvrir Martigny. Voilà, après presque une heure de route en voiture, on est finalement arrivé à Martigny et nous voilà, on va commencer avec la fondation Janada. On y va. Bonjour, bonjour. 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 Je voudrais visiter... Voilà, la fondation. Volontiers, pas de souci. Une entrée pour vous? Oui, merci. D'accord. Alors Florian, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me montres? Alors aujourd'hui, joli programme. Donc la fondation Janada, dans un premier temps, avec vraiment des magnifiques tableaux ces temps de Cézanne. Oui. Et puis bon, bah, tous les jours, hein, toute l'année, on peut aussi visiter les expositions donc, permanentes. À savoir le musée galéo-romain de Martigny, où il y a uniquement des pièces donc, qui ont été retrouvées sur place. Donc, sur alors, on va aller voir parce que j'ai vraiment hâte de commencer. Alors, allons-y. Allons-y. Bien. Ça a été retrouvé ici à Martigny, dans des fouilles de quelle époque? Quand est-ce que vous les avez retrouvées? Alors, différentes époques. Il y avait même une époque qui date d'avant les Romains. Ah d'accord. Puis après, bon, bien sûr, vu que Martigny est quand même sur le passage qui menait au nord de l'Europe, donc depuis Rome, oui. Il y a vraiment énormément de gens, de Romains qui se sont installés sur Martigny pour pouvoir permettre un lieu de passage, un lieu d'échange de commerce. De l'autre côté, on connaît. Valle d'Aoste, nous c'était vers la France, vous c'était nord de l'Europe. Voilà. Martigny la Romaine. Exactement, Martigny la Romaine. Et donc notamment alors ce vestige-là, en fait, le forum, oui. Qui est en fait enseveli maintenant sous un terrain de foot. Ah d'accord. Parce que c'est vraiment apparemment l'élément phare en termes de richesse culturelle romaine à Martigny. Mais il faut des moyens pour pouvoir justement le sortir bien de terre sûr. Et pour pouvoir... Et par contre, l'amphithéâtre, on pourra le voir. L'amphithéâtre, on peut le voir, on va aller le voir plus tard. Pas de souci. Il y a quelques symboles de la ville, mais il y en a un qui est en lien avec la culture, notamment. C'est justement ce symbole de tête de taureau tricorne, qui a été aussi retrouvé, hein, bien sûr, ici à Martigny. Et donc, en fait, ce taureau tricorne... Ah, tricorne, donc. Voilà, tricorne, mais il y en a une qui est cassée, ouais, ah, tout voilà. À fait. Alors maintenant, voilà, on a déjà la base sur Martigny. J'aimerais découvrir la grande exposition de Cézanne. Alors allons-y, guide. Allons-y, bon. Il faut descendre les escaliers. Voilà. Alors déjà, un petit explicatif, donc vraiment, à chaque exposition, il y a justement un explicatif sur les peintres qui exposent à la fondation. Parfait. Et donc, c'est vrai qu'à Janada, il y a vraiment des grosses pointures de la peinture qui sont venues. Hein. On peut parler de Van Gogh, Picasso, ben justement, Cézanne. Enfin, vraiment, les plus grands ont été exposés ici à Martigny. Cela fait de sorte que vous avez le monde qui vient ici. C'est pas que les Suisses, mais vous avez un public qui est très, très vaste, j'imagine. Oui, ouais. Alors effectivement, la fondation Janada, elle attire vraiment un nombre de personnes assez... incroyable puisqu'on parle de 700 visiteurs en moyenne par jour. Splendide. Donc c'est vraiment la locomotive du tourisme de la région. Je dirais de la région de Martigny, même du Valais hein, à peu près. Bien, yeah. On part à la découverte de Cézanne. Alors allons voir Cézanne. Alors allons-y au musée de l'automobile là. Waouh. Intéressant, c'est que c'est aussi le musée qui a le plus d'automobiles oui. Anciennes, suisses oui. En fait. Ah d'accord. Donc de modèles suisses. Suisse. Voilà, et donc ça c'est intéressant. Et autrement, sur cette voiture, il y a une jolie petite histoire. Donc à l'époque, à Martigny, il n'y avait pas les bus hein, qui amenaient les gens jusqu'à la fondation, donc les bus, les transports publics. Donc du coup, en fait, avec cette automobile,
qu'il y avait, ça faisait en fait office de taxi, les gens donc étaient transportés de la gare jusqu'à la fondation avec cette voiture pour venir visiter en fait le musée. Ah d'accord, donc, c'était déjà partie de l'histoire. Voilà, donc c'était vraiment pour attirer un peu les gens à la fondation aussi quand ils arrivaient à la gare. Merci de nous accueillir à votre maison. En fait, comment... C'est plus ma maison, mais ça fait rien. Oui, mais votre cœur est quand même ici. Voilà. Donc, comment est née cette fondation? Il y a 41 ans, hier, que mon frère Pierre est décédé. Dans un accident. Accident d'avion, oui. Il rentrait d'une expédition en Égypte. L'avion a dû faire un atterrissage de fortune à Bari. Oui. Et là, il a pris feu. Et lui, ils étaient 6 dans l'avion. Lui est sorti et 4 sont sortis. Mais 2 brûlaient dans l'avion. Ok. Lui, il est retourné pour le... sauver les autres. Les sauver. Et puis, il est mort. Comme je suis constructeur, ingénieur, j'avais découvert les vestiges d'un temple romain. Oui. Gallo-romain. Et j'ai reçu le permis de construire l'immeuble. D'accord. De détruire les vestiges. Ça me chicanait. Et c'est là que mon frère a eu son accident. En même temps. Alors j'ai décidé de conserver les vestiges et pour sa mémoire à lui, de faire la fondation. Voilà l'histoire en 2 mots. Vous savez que ce parc de sculptures, c'est un des 5 plus beaux parcs de sculptures d'Europe. C'est un journal français, la Gazette Drouot, qui a écrit ça. Et je suis très fier de ce parc. Et maintenant, ce serait impossible de... On ne peut plus trouver des pièces comme celle-là, comme Rimoureux. Giannada, ça nous raconte beaucoup d'Italie, donc votre origine, c'est pas suisse, mais ça vient d'où? C'est mon grand-père qui venait du Piémont, okay. Que j'ai bien connu, c'était mon parrain. Quand j'avais 20 ans, quand il est décédé, pour moi c'était un exemple. Quelqu'un de très précis, méticuleux, travailleur, l'italien quand il est bien. Voilà, le bon italien. Le bon italien. Je vous remercie énormément pour le temps que nous avez dédié. Merci. Et vraiment, on n'a qu'un espoir que tout le monde puisse venir découvrir ce paradis d'art et de vraiment de, je veux dire, on se sent bien ici avec vous, dans le parc, mais aussi avec vous. Je comprends vraiment pourquoi la fondation a eu tout ce succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Martigny, si vous devez dire quelle est sa vocation, ça a une vocation plutôt touristique, agricole. Je vois quand même qu'on a un beau amphithéâtre aussi par rapport au vignoble, oui, qu'on a aux alentours. Vous qui êtes le vice-président de la ville, si vous devez imaginer Martigny, c'est quoi à niveau de... Bien sûr, pour parler de Martigny à des touristes ou à des étrangers, c'est bien entendu la fondation Giannada qu'on met en avant, puisque c'est l'élément le plus connu de Martigny, mais c'est vrai qu'à Martigny, on a d'autres atouts à part la fondation. On a aussi de l'économie, on est la plus grande commune agricole de plaine de tout le Valais, donc c'est vrai qu'on a un grand territoire agricole. Mais bien sûr que la fondation, avec toutes les fouilles gallo-romaines, c'est l'élément principal qui attire les touristes à Martigny. La Fondation Barry est née en 2005 et la Fondation Barry a été créée pour au début reprendre uniquement la partie chien du Saint-Bernard. Et en parallèle, la Fondation Bernard et Caroline de Watteville, avec l'impulsion de M. Giannada, qui a été chercher M. de Watteville, qui a conduit les travaux de transformation de ce bâtiment, a pu voir l'ouverture des portes le 21 juin 2006 et la Fondation Barry en a repris la gestion en juin 2014. Parfait. Donc, en final, vous avez là un produit qui est complet. Vous avez donc l'élément des chiens et tout ce qui va aux alentours pour expliquer ce qui est le monde par rapport à ce beau animal qui, on voit, il a une histoire qui part de l'hospice du Saint-Bernard. Oui. Et là, maintenant, comme vous me disiez avant, il continue quand même dans son œuvre de bienfaisance, mais dans une autre façon. Alors oui, ici, c'est un magnifique outil qui a été conçu d'une merveilleuse façon. Et puis on a l'avantage de pouvoir y mettre les chiens vivants et pouvoir montrer aux gens quelles sont les activités aussi qu'on fait. Donc il y a toute une partie historique, mais aussi toute une partie actuelle.
faire le moulin? Oui, je t'amène au moulin. Parfait. Toi, tu es un meunier. Je suis meunier de formation. Je l'ai exercé avec l'apprentissage au total 11 années comme ouvrier meunier. D'accord. Dans l'industrie meunière. Oui. Et j'ai arrêté après le travail de meunier pour faire une autre activité. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je suis ici au restaurant avec Marie-Claire et je pose cet avantage, j'ai le plaisir de faire visiter le moulin et expliquer les machines correctement parce Parfait. Que j'ai appris le métier. Tu connais. La meunière. Ah voilà. Et donc là, la roue, vous la mettez mise pour démontrer que voilà, il y a un moulin. C'est un moulin, voilà. Parfait. Bien, alors maintenant, on va voir les quatre roues. Oui. Parfait. Tu me disais, Jacques, que la ville naît, c'est une ville romaine. Oui. Voilà. Et après, il y a eu des inondations. Oui, il y a eu des inondations, peut-être au XVIIIe siècle. Des dates, je ne suis pas sûr, mais non, il y a eu des inondations. Okay. Ce qui fait que la ville a été un peu ravagée. On ne trouvera pas beaucoup de belles bâtisses de l'époque. Et l'évêque même a dû partir. L'évêque est parti à cause de ça. Voilà, il est parti vers Sion. Vers Sion. Parce qu'il y a quelques vestiges de l'église de Martigny, où on voit que c'était une période romaine. Et on sait que l'évêque était à ce moment en octodure, qu'on appelait. Ok, ok, ok. Et par contre, je voulais te demander, toi, quand même, tu as un rôle très important dans cette ville, parce que tu m'as dit, tu es président de la bourgeoisie. Oui. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas à niveau d'organisation. Tu peux me dire, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente la bourgeoisie et quel est votre but? Alors, la bourgeoisie, c'était initialement, il n'y avait pas de commune politique. C'était des bourgeois qui étaient propriétaires de terrain, soit dans toutes les communes valaisannes, dans toutes les communes du canton. C'était des bourgeois, puis ils avaient fait une association de bourgeois. Et si on venait habiter ici, il fallait faire amende honorable et payer peut-être quelque argent pour devenir bourgeois et être vraiment membre de la communauté bourgeoisienne de Martigny. Et ça s'est perpétué jusqu'en 1848 et 1874. Ce sont les deux dates de référence des deux constitutions suisses. Donc à ce moment-là, les communes politiques ont pris le pas sur les communes bourgeoises. Et certaines communes, il y a toujours les bourgeoisies, mais certaines communes ont abandonné leur conseil et c'est les communes politiques qui ont commandé. Et aujourd'hui, Jacques, président de la bourgeoisie, c'est quoi ton rôle? C'est quoi? Aujourd'hui, tu m'as parlé du moulin, de l'importance de faire revivre des endroits historiques. Donc, votre but, c'est de continuer à faire vivre le patrimoine. Qui existe sur la... Parce que Martigny, c'était aussi une commune assez rurale. Ouais. On a des alpages sur la montagne, forêts, notamment. Des forêts, beaucoup de forêts, un vignoble aussi. Et voilà, et on essaye de perpétuer la tradition. D'accord. C'est ça. Oui, alors la saison estivale est en relativement calme. Au niveau événementiel, elle est très riche ailleurs, au centre-ville, dans la région. Alors ici, on se bat avec nos armes, comme vous l'a expliqué Jacques. Et puis moi, j'organise spontanément des petits événements comme ça, que ce soit outdoor sportif. J'ai fait baby-foot la semaine passée, j'ai fait fléchette aussi. Voilà, Il peut y avoir d'autres choses, des concerts, des... Voilà, parce que on nous, débrouille comme on veut. On est venu à connaître Martigny, on a connu la partie, on va dire, culturelle, puis la partie agricole, et là, on connaît la partie jeune. Tout ce qui est fait pour les jeunes, donc voilà, tout à merci fait. De voilà. Alors la ville fait des choses, après ici, moi,
c'est privé, donc c'est des initiatives plutôt privées, mais qui, quand j'ai besoin du soutien de la ville, sont soutenues. Bien, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Bon match. C'est gentil, merci. Bonne journée. Merci. Un bon guide. On a bienvenu chez qui? Chez monsieur Darblay, Arthur Darblay. Arthur Darblay. Qui était en fait l'ancien directeur de l'école d'agriculture, c'est juste? Oui, tout à fait. L'école d'agriculture de Châteauneuf, ah, du Valais. Voilà. Ah, wow. Si vous avez des questions à poser. J'ai un contact régulier avec l'Institut de la Vallée d'Aoste. Ah, d'accord. Voilà. Alors, enchanté, moi c'est Jeannette. Moi c'est Arthur. Merci de votre salut, Jeannette. Ami Arthur, ami Arthur, prends ton verre et surtout ne le renverse pas. Apporte-le au frontibus, au nazibus, au bouchibus. Et glou, 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 et glou. Merci Arthur et Madeleine pour ce formidable accueil au milieu des vignes dans ce petit coin de paradis en Suisse. On va continuer notre découverte du terroir, donc encore merci. Mais je vous merci en à vous, merci de votre visite. Visite. Alors Benoît, qu'est-ce que tu me racontes par rapport du château? Alors, c'est le château de la Batia. C'est un château du début du XIIIe siècle qui a été construit par l'évêque de Sion pour contrôler le passage vers l'Italie. Ah d'accord, donc à nouveau quelque chose qui nous lie à vous. Hein? Donc c'était important de contrôler tout ce qui allait se passer en bas. Exactement, c'était un passage, que ce soit à l'époque romaine, que ce soit au Moyen-Âge ou encore aujourd'hui, le passage vers l'Italie. Et notamment par le col du Grand Saint-Bernard vers l'Italie, c'est un passage très important. Ouais. Donc il y a toutes les époques qui ont été contrôlées d'une manière ou d'une autre. On a vu d'ailleurs que Napoléon aussi est passé par là. Oui, tout à fait. Alors, à l'époque de Napoléon, le château n'avait plus exactement la même fonction. Il avait une fonction encore de tour de surveillance. Ouais. C'est surtout du XIIIe au XVe siècle comme ça qu'il a vraiment eu sa vie active. D'accord. Et maintenant, le château, c'est quoi? C'est un point de, disons, attraction touristique, donc c'est un peu l'emblème de la ville, c'est un point de... Effectivement, que beaucoup de sociétés de la ville utilisent l'image du château, parce que c'est vraiment l'image qu'on voit en premier de la ville, c'est le château de la Batia. Et aujourd'hui, il sert à organiser des fêtes médiévales. On essaye d'y faire de la cuisine médiévale. Ah, d'accord. On sert les gens en costume de l'époque. Quand ça, quand il faut qu'on vienne, c'est quand? Alors l'ouverture, c'est du mois de mai au mois d'octobre. C'est d'accord. 6 mois par année. Oui. Et pendant ce temps-là, on essaye de faire en sorte que quand on arrive au château de la Batia, on se retrouve en quelque sorte au Moyen-Âge. Ah, parfait. Et donc aujourd'hui, par contre, c'est une, on va dire, une fête encore spéciale. Parce qu'aujourd'hui, le château de la Batia, ce soir, il va complètement s'illuminer grâce au feu d'artifice. Oui, exactement. Donc chaque année, pour le 1er août de Martigny, les feux se font ici. Et c'est parmi les plus grands feux de Suisse romande. Donc, Ça, je veux exactement voir plus tard. Oui. Et il y a l'artificier qui va nous montrer ce qui est le grand travail de préparation de ces feux. Mmh. Alors, je n'ai pas cette prétention-là de dire je serai le chef, parce que c'est toute une équipe qu'il y a derrière. Il y a quand même 8 artificiers qui travaillent ici depuis 7 jours, plus 18 personnes qui nous aident, plus après tous les pompiers qui sont là, c'est au nombre de 80 pompiers qui sont là aussi depuis 7 jours. Donc dire que je suis la star de ça, non. Mais après, je suis le concepteur. D'accord. Et c'est déjà une lourde tâche, c'est oui. Vrai. Et là, on voit
qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la sûreté. Tu m'as dit que voilà, ça fait combien de jours que vous quand même vous arrosez tout? Alors ça fait 3 jours qu'ils arrosent, qu'ils ont mis tout le dispositif en place, parce que un feu d'artifice, ça crée des étincelles, de la flamme, et ces flammes, si on fait de la prévention, et ben ça permet tout simplement d'éviter les incendies. Parfait, parfait. Plus il y a de prévention, moins il y a d'incendies, moins il y a de risque d'incendie pendant tout le spectacle, parce que le drame d'un artificier, c'est qu'à cause d'un feu extérieur, on doit arrêter le spectacle. Bien sûr. Et là, les gens ne comprennent pas en plus. Pourquoi ? Voilà. Le grand protagoniste, c'est quand même le château. On voit que vous êtes en train de préparer tous les alentours. Oui. Mais ce qui me pose un peu de questions, c'est ce que vous avez mis là, ça donne pas. En fait, vous verrez qu'il y a une couronne tout autour de la tour, c'est la cascade. Et c'est quelque chose qui est par les gens, vous verrez, quand il y a la cascade qui parle, les gens applaudissent. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on met en lumière la fierté de Martigny, c'est-à-dire la tour et le château. C'est vraiment une très très grosse fierté. Les gens, quand on parle du château de Martigny, c'est leur symbole. C'est vraiment leur symbole. Et après 25 ans, vous arrivez encore à leur faire waouh et applaudir. Ça, c'est un peu la mission. C'est le challenge, c'est exactement ça. Alexandre, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. On sera en bas pour te voir. Ah ben avec grand plaisir. Merci. Chapeau pour la route. Ouais. Et puis c'est parti. Un foulard pour mettre autour du. Un foulard autour du cou. Yeah. On y va. Alors Florian, j'ai besoin de faire pipi. Ah bon, bah alors, on peut y aller alors, parce qu'il y a justement les toilettes publiques romaines. Allons-y alors. Ok, ensemble finalement. Ensemble, évidemment, hein, tout était bon alors. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. 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 Voilà. Mes amis. Voilà, alors moi je profite pour lire un article finalement. Oui. Voilà. Concrètement, normalement, alors à l'époque, bon, même si là c'est pas le cas, les hommes et les femmes étaient quand même séparés. Ah ok. Voilà. Et souvent, aux toilettes, on parlait aussi politique. Donc justement, en tout cas chez les hommes, ça parlait politique. Donc c'était vraiment un lieu convivial, un lieu de rencontre, en fait, les toilettes romaines. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Maintenant, voilà, pour l'exercice, on a mélangé hommes et femmes et c'est aussi sympa comme ça, voilà. Merci, alors c'est bon, j'ai tout fait. C'est, voilà, merci. On a été aux toilettes, superbe. Au revoir. Merci. Au revoir, salut. Aujourd'hui, on a goûté des très bons abricots. Voilà, on a goûté des très bons abricots. Et là, vous avez toutes les phases de la production, donc à partir des arbres. Et alors, finalement... voilà, bon, bah, en fait, l'abricotine ou n'importe quelle liqueur de fruits, hein, donc pour la produire, forcément, il faut la distiller. C'est ces appareils-là qui vont permettre d'avoir une tonacité en alcool assez intéressante. Pour pouvoir justement obtenir un produit de qualité. Alors on peut rester avec vous finalement.
là-bas. Mais vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. On a passé une superbe journée à Martigny. Maintenant, c'est le moment de la fête, donc je vais aussi m'amuser. Je vous invite vraiment à venir découvrir Martigny parce qu'elle a plein de choses à vous montrer. Alors, bonne soirée à tout le monde.